On va voir maintenant la question de 2 de l'exercice. Toute cette histoire que j'ai déjà racontée. Donc, la question de 2. Il est dit d'abord que la courbe 1 donnée en début d'exercice montre que la vitesse se stabilise à la valeur V1 après une certaine durée de chute. N'oubliez pas que si vous voulez savoir ce qu'on fait, il suffit juste de voir la première partie pour comprendre ce qu'on fait. Donc, la courbe 1 donnée en début d'exercice montre que la vitesse se stabilise à la valeur V1 après une certaine durée de chute. C'est-à-dire que la vitesse V1 devient une constante. C'est ce qu'on appelle la vitesse limite. Il est dit, que peut-on dire du vecteur accélération lorsque V devient constante? Eh bien, c'est très simple. On dit que, on sait tous que le vecteur accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Puisque la vitesse là devient constante, dérivée d'une constante, zéro. C'est-à-dire que le vecteur accélération devient nul. Le vecteur, donc, qu'est-ce que je vais écrire? Eh bien, le vecteur accélération devient nul. C'est-à-dire que le vecteur AG est égal au vecteur nul, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Donc ça, c'est 2 de 1. Maintenant, il est dit, donc, 2, 2, 2. Donc, il est dit qu'en 2, en 2, 2, 2, donnez alors la relation entre les forces P et F1, justifier la réponse. Eh bien, il suffit juste d'utiliser ce que j'ai là. Dans ce cas, puisque j'ai considéré que l'accélération, enfin, c'est pas écran que j'ai considéré, mais c'est ce qui est. Puisque là, j'ai dans ce cas-là, c'est 0. Alors, P plus F1 est nul. Ça, c'est équivalent à dire que P est égal à moins F1. Car AG est égal à 0 dans ce cas. Parce qu'il dit de justifier la réponse. Donc, c'est tout ce qu'on a à dire. Voilà, donc on peut dire qu'AG est égal à 0. Ça, d'après 2 de 1. C'est ça tout simplement la justification. Maintenant, 2 de 3. Calculer V1 et vérifier le résultat sur la courbe 1. Il est dit de calculer V1. Donc, pour calculer V1, qu'est-ce qu'on va faire? On sait tous que F1, c'est K1 V carré. On sait tous cela. C'est-à-dire, pour calculer le V, il suffit juste de faire ça. C'est F1 sur K1. Ce que vous voyez là devant vous, P est égal à moins F1 comme vecteur. Mais comme du P est égal à F1, je sais que P c'est MG. C'est-à-dire que V carré, c'est MG sur K1. Autrement dit, V, c'est tout simplement la racine de MG sur K1. C'est-à-dire que la racine de la masse, donc la masse de ce que j'ai est égale à combien? Bon, notez que ça, c'est F1, c'est K1, V1 carré. C'est pour cette raison que V1, c'est ça.
Donc, la masse que j'ai là, la masse du corps que j'ai, la masse d'après les données, tout simplement. La masse, oui, la masse c'est 75 kg fois 9,8. Je divise par K1. K1 est égal à 0,165 kg. Voyez-vous bien que je dois obtenir une vitesse. Parce que le 75 c'est du kilogramme. Donc je vais du kilogramme. Je multiplie par des mètres, seconde moins 2, sur des kilogrammes. Le kilogramme va s'envoler avec le kilogramme. Et n'oubliez pas qu'il y a là un mètre moins 1. Parce que le K, c'est des mètres, des kilos fois mètre moins 1. Le mètre moins 1 va monter, il va devenir du mètre, et finalement ça va donner mètre carré. Le seconde va descendre, va donner seconde carré. Racine de ça donne des mètres par seconde, c'est-à-dire que c'est une dimension de la vitesse, tout simplement. Alors après calcul de cela, si on utilise une calculatrice, on va trouver une valeur de 67 mètres fois seconde moins 1. Donc, on peut vérifier ça après vérification de ça. Si vous avez l'énoncé de l'exercice, vous allez trouver en fait la même valeur. Donc, là, F1 c'est K1V carré 1. Voilà. Donc, V1, V carré 1 c'est ça, V1 c'est ça. Donc, V1 c'est 67 mètres par seconde. Donc, j'espère que tout ça est bien clair. Hein? À la prochaine!